Merci Corinne Page. François Patria, une phrase de clôture cette fois-ci, puisque c'est vous qui allez inviter, après les deux discours qui restent, qui allez inviter l'ensemble des participants au banquet de fin de rencontre. Eh bien, je prendrai ma conclusion sur ce terme gastro-œnologique, parce que moi je vais devoir vous quitter pour être avec des chefs d'entreprise à 13h à Châlons, à 14h30 à Chagny, puis revenir ensuite à Tournus pour les franco-gourmandes. Donc c'est un peu... Je regrette de ne pas rester plus avec vous. Je crois que la prise de conscience, je dis ça en termes œnologiques, c'est que les jeunes d'abord nous ont montré que nous vivons de vivre un siècle d'abondance, d'excès, et que nous devons passer de l'ébriété énergétique à la sobriété énergétique. Et que nous avons pris conscience ce matin qu'il y avait plusieurs voies pour y arriver. Que le témoignage de Madame la ministre Corinne Page, des membres de cette tribune, montre que il y a autour de nous des gens qui ont pris conscience avant nous, qui ont pris de l'avance, et qu'il faut des débats, mais qu'il faut que ces débats se clôt assez rapidement pour passer du discours à la pratique. Il faut que le plumage ressemble un peu au ramage. Hein, et que demain, on soit capable non seulement de décliner les exemples sur le terrain que nous menons, mais juste à l'heure de les massifier et de... que la prise de conscience à travers les grands opérateurs publics, moi que je remercie ici, je voudrais par exemple, dans les deux succès que nous avons cette semaine, un sur les ports de Côte d'Or, pour le raccordement difficile et avec les climats que j'évoquais tout à l'heure, mais un sur la commune d'Orin, dans le canton de Fontaine-Française, où grâce à ERDF, on a réussi un très beau projet photovoltaïque qui va démarrer maintenant. Pensez que le projet qui aboutit actuellement des ports de Côte d'Or éolien, il a mis 13 ans pour aboutir. 13 ans. Vous vous rendez compte? Un projet quand il y a 13 ans. Pour faire de l'éolien en France en moyenne, il faut 10 ans. Est-ce que vous pensez que ce pays pourra se réformer, pourra avancer, s'il continue à travailler dans ces conditions-là? Alors c'est un message d'espoir que je porte, parce que l'espoir, moi je le porte, Madame le maire, tu disais à l'instant, c'est très beau d'avoir eu ça. Je le porte de la mobilisation qu'il y a en Bourgogne aujourd'hui, du soutien que nous avons de la part... de parlementaires et de ministres éminents à côté de nous, ben, vous allez maintenant passer à table. J'espère que ce débat il va continuer très vite entre nous, qu'on va pouvoir à nouveau se mobiliser, qu'on va se déplacer. Et moi, j'invite mes amis Dominique du Conseil à aller voir un peu ce qui s'est passé aussi ailleurs, comme nous étions allés en début de mandat à Fribourg, à côté, pour voir comment nous allions forger notre doctrine. Et bien sûr, c'est un message d'espoir que je voudrais, en vous remerciant, vous particulièrement, du succès remarquable de ces matinées et en vous souhaitant bonne journée à tous, bon appétit et large soif. Merci. Alors, François Patria, on vous libère. Mesdames, messieurs, vous restez là parce que vous allez assister maintenant à un passage de témoin. Ah, mais il fait la bise à toute... D'accord. Et ERDF ? Je suis contre, tout contre. Ah bon, d'accord. Alors, merci et bonne chance avec les chefs d'entreprise. On a besoin aussi de la réalité industrielle, économique et sociale. Alors, vous constatez que maintenant, là, il y a un petit problème. La parité n'est plus respectée. Il n'y a plus que deux filles. C'est pas grave, disent les filles du premier rang.